Il n'y a presque pas de design pour la beauté dans l'aviation. L'emplacement des ailes, les fenêtres rondes, les ceintures de sécurité à la taille. Pourquoi toutes ces choses sont-elles comme ça? Eh bien, attache ta ceinture parce que tu vas avoir des réponses à beaucoup de questions sur les avions. 1. Comment aller plus vite dans les files d'attente à l'aéroport? Il est préférable de faire la queue dans la file d'attente la plus à gauche lors de l'enregistrement. Il y a de fortes chances que tu ailles plus vite, car la plupart des gens sont droitiers et tournent intuitivement à droite. 2. Pourquoi ne peut-on pas transporter de liquide à bord? Les substances dangereuses peuvent être facilement planquées dans les liquides. Ainsi, pour des raisons de sécurité, seul un très petit volume de liquide peut être transporté à bord d'un avion. 3. Pourquoi les ailes de la plupart des avions de passagers se trouvent-elles au bas de l'avion? C'est ce qu'on appelle une aile basse. Tout d'abord, si tu installes le moteur sous les ailes basses, il sera plus proche du sol et plus facile à réparer. Deuxièmement, les ailes prendront en charge une partie du choc en cas d'atterrissage brutal. Et si l'avion tombe dans l'eau, les ailes deviennent alors un matelas de sauvetage. D'ailleurs, un avion peut rester à flot de 10 minutes à 60 heures. Tout dépend du modèle de l'avion, des conditions météorologiques et des compétences du pilote. 4. Pourquoi les ailes des avions cargo sont-elles situées en haut? C'est ce qu'on appelle une aile haute. Il est facile de charger du fret sur ces avions, car la coque est très proche du sol. De plus, il est pratique d'atterrir sur des terrains d'aviation dont la piste n'est pas très bien préparée. Les débris n'entreront pas dans le moteur. Et enfin et surtout, une telle position des ailes entraîne une moins grande quantité de traînée aérodynamique pendant le vol. Et enfin, 5. Pourquoi de nombreux avions militaires ont-ils des ailes placées au milieu ? L'air circule mieux autour de l'avion grâce à l'emplacement des ailes. Ainsi, l'avion développe une plus grande vitesse. 6. Pourquoi la plupart des avions sont-ils blancs? Cette couleur reflète le mieux les rayons du soleil et la carrosserie de l'avion ne chauffe pas et les dégâts sont mieux visibles sur le blanc. Enfin, et c'est peut-être le plus important, la peinture blanche est tout simplement moins chère. 7. Pourquoi les turbines se trouvent-elles sous les ailes? La maintenance des moteurs situés sous les ailes est moins coûteuse et prend moins de temps. Avant, les compagnies aériennes installaient les moteurs sous la queue de l'avion. L'entretien de ces moteurs nécessitait un équipement coûteux et prenait beaucoup plus de temps. Le coût des billets d'avion a immédiatement diminué lorsque les compagnies ont commencé à installer des moteurs sous les ailes. 8. Un avion peut-il voler avec un seul moteur? Oui, les pilotes peuvent facilement contrôler et faire atterrir un avion si l'un des moteurs cesse de fonctionner. L'avion s'inclinera juste un peu sur le côté pendant le vol. Mais le plus génial, c'est que les passagers ne le remarqueront même pas. 9. Que signifie un petit triangle sur les parois de l'avion? Ces triangles sont des étiquettes spéciales pour les agents de bord qui signalisent certaines fenêtres à travers lesquelles on peut voir les indicateurs clignotants. Ils indiquent la rentrée du train d'atterrissage. Si le pilote reçoit un signal concernant un problème quelconque, les hôtesses de l'air trouvent rapidement les fenêtres nécessaires et résolvent le problème. Et pour les passagers, c'est l'endroit qui offre la meilleure vue sur les ailes. Tu peux voir les meilleures photos ici. 10. Pourquoi les ceintures de sécurité sont-elles au niveau du ventre? Lorsque l'avion traverse une zone de turbulence, il est un peu secoué dans les airs. La ceinture de sécurité te maintiendra simplement en place en cas de secousse plus intense. Les sangles d'épaule nécessiteraient plus d'espace entre les sièges, ce qui ne peut pas se justifier dans un avion. En voiture, l'impact est généralement beaucoup plus fort et tu as donc besoin de cette sangle d'épaule pour ne pas passer à travers le pare-brise. 11. Pourquoi les hôtesses et les stewards ont-ils une ceinture style harnais alors? Les sièges des agents de bord sont beaucoup moins confortables que ceux des passagers. Ils sont plus étroits et positionnés face aux passagers. Les agents de bord ont besoin d'une protection supplémentaire simplement pour ne pas tomber de leur siège si l'avion tremble trop fortement. Ils doivent également aider et diriger les gens lors d'une éventuelle évacuation et pour cela, ils doivent être en pleine forme. 12. Qu'est-ce qu'une turbulence au juste? Ok, alors imagine une grosse montgolfière. Tu vois ce lance-flamme? Il chauffe l'air, ce qui fait monter le ballon. Les turbulences, c'est la même chose, de l'air chaud, un peu comme ce que je génère, mais elle est créée par la nature, pas par un lance-flamme. Et il y a un avion au lieu d'un ballon. C'est pourquoi tu peux avoir l'impression d'être sur une affreuse montagne russe quand tu es en pleine zone de turbulence. Aussi, des turbulences peuvent se produire si l'avion se retrouve dans le sillage ou le courant d'échappement laissé par un autre avion. 13. Pourquoi l'un des agents de bord tient-il sa main derrière son dos lorsque tu entres dans la cabine?
Il compte le nombre de passagers sur un appareil spécial et vérifie que tous les passagers sont à bord. 14. Comment les avions sont-ils protégés contre la foudre? Même si la foudre frappe, les passagers ne le sentiront pas. Tout l'avion est recouvert d'un revêtement en aluminium qui conduit le courant électrique, mais ne le laisse pas passer à l'intérieur de l'avion. Tous les appareils électroniques et les réservoirs de carburant sont également équipés d'une protection supplémentaire. Et bien sûr, toute cette protection est testée en simulant des coups de foudre. 15. Pourquoi ne pouvais-tu pas utiliser ton téléphone dans un avion dans le passé? Les téléphones portables étaient vraiment dangereux pour les vols, mais seulement les premiers modèles. Leur signal radio pouvait perturber le fonctionnement de l'électronique de l'avion. Heureusement, les téléphones modernes ne peuvent plus le faire, car leurs fonctions de communication ont changé et le mode avion est apparu. 16. Pourquoi certaines compagnies aériennes recommandent-elles de ne pas utiliser de téléphone, même de nos jours ? Elles imposent des restrictions en matière de téléphone parce que les gens doivent rester vigilants en cas de situations imprévues à bord. Il est assez difficile d'attirer l'attention du passager lorsqu'il regarde un film ou joue à un jeu sur son téléphone. 17. Dans quel cas les masques à oxygène tombent-ils du plafond ? Les masques ne tombent pas seulement lorsque l'avion est en chute libre, mais aussi lorsque la pression de l'air change, comme si l'avion se décompressait pour une raison quelconque. À une certaine altitude, l'air s'amincit dans la cabine. Pour que les passagers ne ressentent pas cela, ils mettent des masques à oxygène. Les pilotes descendent rapidement à une altitude de sécurité et tu peux alors respirer de nouveau sans masque. 18. Pourquoi les hublots des avions sont-ils ronds? C'est aussi un élément de sécurité. Si les fenêtres d'avion étaient carrées, la pression s'accumulerait dans les coins, ce qui pourrait entraîner des dommages. Avec des hublots ronds, la charge est répartie de manière uniforme. 19. Pourquoi les pneus des trains d'atterrissage n'éclatent-ils pas à l'atterrissage? Les pneus sont conçus pour une charge de 4 à 5 fois supérieure à celle qu'ils subissent à l'atterrissage. La roue se brisera plutôt que son pneu n'éclate. 20. Pourquoi les lumières de la cabine sont-elles tamisées? Les passagers doivent s'habituer à l'obscurité en cas d'atterrissage d'urgence la nuit. Les lumières sont éteintes afin qu'ils puissent se déplacer facilement au moment du départ. Pour une raison semblable, il t'est toujours demandé d'ouvrir les volets des hublots afin que les hôtesses de l'air puissent voir ce qui se passe à l'extérieur et choisir le meilleur côté pour l'évacuation. 21. Pourquoi les pilotes d'avion mangent-ils toujours des aliments différents avant un vol? Cela est nécessaire pour que si l'un d'entre eux a une intoxication alimentaire, l'autre puisse continuer le vol en toute sécurité. 22. Quel est l'endroit le plus sale dans la cabine? Non, ce ne sont pas les toilettes, c'est la tablette sur laquelle tu manges. Elle contient plus de bactéries que le siège des toilettes. De plus, certains passagers utilisent cette table pour changer les couches de leur bébé. 23. Pourquoi la nourriture n'est-elle pas très bonne dans l'avion? Ce n'est pas parce que le cuisinier est naze. En réalité, tes papilles gustatives changent un peu à haute altitude. Elles deviennent moins sensibles aux saveurs. 24. Est-il vrai que les cheveux et les poils poussent plus vite dans un avion? Non, cela n'est pas prouvé par les scientifiques. Le mythe est né pendant la première moitié du XXe siècle. Les soldats remarquaient que leur barbe avait poussé après le vol, d'où l'apparition de la légende. Quant aux avions eux-mêmes, les poils poussent à un rythme normal et les avions sont normalement rasés 3 fois par semaine. Non, ça c'est purement une de mes inventions. Hey, si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors clique sur « j'aime » sous cette vidéo et partage-la avec tes amis. Et voici d'autres vidéos sympas que je pense tu vas apprécier. Clique à gauche ou à droite et prends la vie du côté sympa.